Bonjour tout le monde, comment ça va? On va se faire une petite ouverture d'une Pokébox que j'ai trouvée en vide-grenier permanent. Une Pokébox avec plein de cartes à l'intérieur pour 40 euros. La même personne avec 300 cartes, coffret Pokémon, dont 25 brillantes et 5 ultra rares. Donc on va se l'ouvrir et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà la Pokébox. Donc voilà, je pense que dessus c'est les ultra rares. Attends, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va voir ce qu'il y a d'autre. Donc des petites zolos, des petites brillantes normalement. C'est peut-être les dernières séries, je sais pas. Ouais, regardez, il y a toutes les brillantes là. Toutes les brillantes qu'il y a là. C'est que des petits lots de cartes. Peut-être qu'il y a des cartes qui m'intéressent dedans. Je regarderai plus tard. Il y a du EB, il y a du EV. Voilà. Voilà toutes les cartes qu'il y a à l'intérieur. On va remettre ça. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est les ultra rares. On va commencer. Première petite carte. Petite Ogerpon masque de fourneau ex, magnifique. Deuxième petite carte, ça c'en est pas une. Deuxième petite carte, Sleevy Mimiki en plus. Forêtresse ex, petite, destinée de Paldea. Troisième petite carte. Oh, une petite Becca Glaçon ex. Bon, c'est des petites ex. Quatrième. Petite Rugilune ex. Que j'ai déjà, bien sûr. Et la cinquième, pour finir. La petite Alakazam ex que j'ai déjà. Donc, c'est pas des cartes qui rentreront dans ma collection, hein, que je les ai déjà. Et ouais, c'est des petites cartes qui iront avec les autres cartes à la vente. Il nous a donné 5 hits quand même. Ouais, mais pas des hits qui cotent, hein. Je pense qu'ils cotent à peu près, peut-être à peu près 8 euros quoi, ou un peu moins. Mais voilà pour cette petite unboxing de cartes Pokémon dans une Pokébox. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté aussi à Aldi. Parce que vous savez, l'autre fois, j'avais voulu acheter des tripacks Origine Perdue à Aldi. J'en ai jamais eu. Et là, je me promenais dans mon Aldi. Et à un moment, dans le rayon, qu'est-ce que je trouve? Je vous montre. Un petit deck Faramp X. Et un petit deck de combat Lucario X. 13,99€. 14€ le deck. Vraiment pas cher du tout. Dans un... Comment ça s'appelle? Dans un Aldi, comme ça, trouver ça. Du Pokémon. Waouh. Donc voilà ce que j'ai trouvé. Donc clairement, là, je viens d'acheter des petits items. Je vais peut-être garder les deux decks de combat scellés, je pense. Ouais. Voilà. Bah, c'est tout pour cette vidéo. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée, les gens. Salut tout le monde!